Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je m'appelle Stéphane Vincent, je suis l'un des deux cofondateurs de la coopérative de travailleurs Etikable Benelux. Que faites-vous chez Etikable ? On est spécialisé dans la création, le développement et la vente de produits alimentaires issus du commerce équitable et de l'agriculture biologique. Et vous ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Éléonore, je travaille chez Etikable et je suis chargée de communication. Mais encore ? Je me suis occupée de mettre en place un webshop pour que les consommateurs puissent accéder à tous nos produits via Internet et les recevoir chez eux. Qu'est-ce que ça a changé ? Ça nous a permis d'avoir quelque chose d'automatisé et qui pouvait satisfaire les consommateurs qui voulaient directement commander chez nous en fait et avoir accès à toute la gamme, ce qui n'est pas toujours le cas en magasin. Quelles situations seront évitées grâce à votre solution digitale ? C'était compliqué parce qu'on n'était pas du tout organisé par rapport à ça. Donc on créait toujours des situations d'exception. Donc au final, le client était moyennement satisfait. Voilà, aujourd'hui, le fait d'avoir cette solution d'e-commerce, chaque consommateur, où qu'il soit en Belgique, a à sa disposition l'ensemble de notre gamme. Quelles améliorations apporte-t-elle dans votre travail ? Ça a donné beaucoup plus d'efficacité, de gagner du temps et d'éviter beaucoup d'erreurs en fait quand on fait des choses manuellement ou qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et en ce qui concerne votre communication ? En termes de communication, c'est assez pratique parce qu'on peut vraiment être transparent avec le consommateur. On a toutes les informations sur notre site internet, que ce soit sur les produits, sur les coopératives avec lesquelles on travaille. On met en avant nos valeurs plus facilement que dans un rayon de magasin en fait. Quel est l'objectif de votre virage digital ? On pense que la digitalisation va vraiment éliminer un maximum de tâches qui n'apportent pas directement une valeur ajoutée à notre entreprise. Cette digitalisation vous éloigne de votre objectif social ? Non, pas du tout. Au contraire, ça a plutôt renforcé nos valeurs et ça nous permet d'être encore plus transparents en fait, sur ces valeurs. Plus d'infos sur la digitalisation des entreprises d'économie sociale sur digitales.be.